ainsi que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Écoutons les textes de ce jeudi. Solennité de Saint-Pierre et Paul, lu par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Jacob Senou, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse. Chapitre 18, versets 1 à 15. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du soir. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit, « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous ce arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. » Puisque vous êtes passé près de votre serviteur, il répondit, c'est bien, fais ce que tu as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il lui dit, prends vite trois grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna
à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sara, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi dans un an et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » Or, Sara écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sara étaient très avancés en âge et Sara était vraiment une vieille homme. Elle se mit à rire silencieusement. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge de l'amour et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sara a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment fixé, je reviendrai chez toi. Et dans un an, Sara aura un fils. » Saisie de crainte, Sara se défendit en disant, « Je n'ai pas ri. » Mais le Seigneur répliqua, « Si tu as ri. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes mes prières, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour. Pour libérer ceux qui le craignent, goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 4, versets 6 à 8 et 17 à 18. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es Pierre
et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne la portera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui deux personnages importants du christianisme. Il s'agit des apôtres Pierre et Paul. Deux caractères différents qui ont contribué de toute leur capacité à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus. L'un, très spontané, a souvent été le premier à répondre aux questions de Jésus quand ils étaient ensemble. Il n'a pas hésité à professer sa foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À lui furent remises les clés du royaume des cieux. L'autre, un érudit plein de vigueur, a été celui dont les écrits ont développé le plus possible l'événement de Jésus dans le Nouveau Testament. Il est représenté avec le livre pour ce grand dévouement qu'il avait à écrire et à parcourir terres et mers en proclamant que Jésus est Seigneur. Les deux auraient rendu un témoignage à Jésus à Rome à travers leur martyre. Leur parcours de missionnaire était des plus complexes. La première lecture d'aujourd'hui nous donne une idée de celui de Pierre. Il fut mis en prison après que Jacques ait été décapité. Il pouvait donc s'attendre au même sort. Il vivait un moment de passion et d'angoisse, tout comme c'était le cas de son maître avant sa crucifixion. Soudain, le Seigneur envoya son ange pour le délivrer, parce que son heure n'avait pas encore sonné. Il pensait être abandonné. Le Seigneur était encore là pour le délivrer de la main des oppresseurs. Il fallait qu'il continue la mission jusque dans la communauté chrétienne de Rome. Quant au parcours de Paul, il nous le raconte en partie dans la deuxième lecture. Il a été abandonné par tous. Il a été arraché à la gueule du lion. Maintenant,
Il sait que le moment de son départ est arrivé. Lui-même évalue ce parcours et nous donne cette appréciation. Je suis déjà offert en sacrifice. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, on espère pouvoir dire autant à la fin de notre vie. Ces vies missionnaires de Pierre et de Paul nous rappellent que tout chrétien, passionné par la parole de Dieu, n'est jamais abandonné par le Seigneur. Tant que le Seigneur voudra qu'il continue sa mission de chrétien au milieu de ses frères et sœurs, il enverra les anges pour le sauver de la gueule du lion. Les vies de ces apôtres nous montrent également que notre vie chrétienne est un combat, une course. Ce combat est livré contre l'esprit du mal dans notre monde pour rester fidèle à la mission du Seigneur. À la fin de notre vie, quand la course atteindra sa fin, dans la foi, abordons ce moment avec sérénité comme Paul en disant « Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. » Ayons confiance au juste juge que nous servons. Que ces deux apôtres intercèdent pour nous et pour l'Église dont ils sont les fondations. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Désormais, sur vos smartphones et ordinateurs, toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il est tombé dans la vallée. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.